Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War. On joue les jettes, on est en difficulté normale, et pourtant c'est bien assez difficile. C'est clairement assez difficile. Lors de l'épisode précédent, on avait pris Nicomédia. Ça se voit. J'ai oublié ça. Qu'on va faire lors de cet épisode, on va vérifier qu'ici ça se passe bien pour mon allié. Ah oui, on avait défendu là-bas aussi. On va aller chercher cette petite armée-là qui est là. Pas besoin de les faire courir plus. On va recruter ici au cas où. Là, on peut voir qu'il y a une armée moyen. Qui perd de la nourriture, donc c'est pas mal en soi. Hein. On a deux armées qui arrivent au niveau de ces villes, ça c'est bien aussi. Ah, je crois que j'ai le jeu qui a planté. J'ai rien dit. Ça passe pas. Puis ça passe. On va continuer le siège, on va faire ça. Voilà. Comme ça, on fait tomber Uburzis au moins. Les Juras, ça suffira amplement. Voilà. Ah, plus d'argent. Flûte de zut. Ok, Rome, il a repris un petit peu le sud de l'Italie, donc la Magna Graecia, ça c'est bien. Ouais, je vais faire des soldats, hein, c'est bien ça. Ici, c'est tranquille, on est pépère pour l'instant. Allez, Orsi. Là, on va attendre un peu la reconstitution, deux tours, et puis on ira à Istros. Il y avait une grosse armée à Istros. Et on va s'avancer petit à petit hein, dans les anciens feux territoires germains et nouvellement territoires celtes. Il me propose la paix, hein, il sait qu'il est en mauvaise posture. Ah, je suis vraiment donné de temps perdant que ça. On va mener la bataille sur le champ. On a un peu d'artillerie. On a que d'un encore en corps à corps, hein, ça c'est fou. En armée de corps à corps, ça je sais pas faire. Hein. C'est tir à distance, tir à distance, tir à distance. Le reste. Ok. Pas besoin. La douce, merci, le véritable signe de noblesse. Si tu le dis. Ok, il y a une petite butée ici. Vraiment une petite butée, hein, histoire de dire. Allez, hop. Voilà, on étale. On se met devant, comme ça on évitera tout problème. La cavalerie qui est là. Voilà, il y a de l'orage. Hein. Voilà, et oh. Quand même. Ah, si c'est bien tout ça en vrai. Hop. Interrupteur d'escarmouche, tout ça, mode card, eux aussi hein, d'ailleurs. Bonus contre l'infanterie, allez c'est parti. On accélère, on n'a pas besoin. Voilà, j'ai fait les tirs explosifs, on verra. Genre je sais pas comment ils faisaient pour faire des rafales explosives à l'époque. Hein. Ne me demandez pas, j'en sais rien du tout. Je sais même pas si c'est vraiment historique au final. Moi j'ai jamais vu dans le jeu quelqu'un se prendre la foudre, c'est dommage, ça peut être très drôle. Ok, ils attaquent pas par là, donc ce que je vais faire c'est que je vais envoyer ma cavalerie là-bas.
Voilà, c'est bien, ça arrive. Ma précision, on y reviendra par contre. Hein. Je suis même pas sûr que ça fasse son duty, mais regarde, elle se relève toute. C'est vraiment nul. Hein. Ah, c'est vraiment nul. Hein. En vrai, là, il y en a même ça. Hein. Ça fait zéro dégâts, c'est affreux. T'as l'impression, mais non. Regarde, ils se relèvent tous. 126, ils se restent 126. Oh, il y a un cadavre ici. Waouh. Par contre, les gars, je vous ai passé en. En rafale classique là il y a quelques tours. Ce serait sympa de. Oh putain. Ils ont tout loupé. Ah bah d'accord, bah eux ils sont très étalés hein. La vache, il y en a partout. Donc on n'a pas encore la portée. Il y en a deux là, ces unités là, les deux là ils sont perdus, mais ils sont tellement en retard. Allez là mon ami, là tu vas pas me dire que tu peux pas tirer sur le général qui est là. On a une seule unité qui se l'est pris, mais il se l'est bien pris. Hein. Allez, allez. Allez, tirailleurs là, feu monté les gars. Allez, tirez tout ce que vous avez. Là, c'est plutôt pas mal hein, les pertes que ça occasionne. Ouf. Ça, c'est bon, ça aussi. Ça, c'est pas ouf par contre, là, les haches derrière là. Hop là, voilà. Non, c'est pas ça que je veux jouer. Ah putain, il comprend rien. Quoi, ils sont. Je peux pas les jouer, les balistes là. Bah ouais. Bon, bah, ce sera une bataille à perte, c'est pas grave. Bon. Ça, c'est chiant. Je vais quand même pas avoir plus de pertes, ce serait. La honte. On va charger le général direct, hein, donc apparemment il casse les bonbons. Voilà, ça va lui faire du bien là. Ah, c'est quand vous voulez, les gars. Non, oui, peut-être. Bon, ils veulent pas. Allez, on se retourne. Allez, on se retourne, j'ai dit. On se retire ailleurs, s'il vous plaît. Les deux là, je vais les mettre. Oh la vache, je la joue mal, je la joue mal cette partie, je suis fatigué là. Je la joue très mal. Allez, là, les tirailleurs. Menace minime, là, tu vas voir. Allez! Je peux pas mieux faire là. Allez, attaque-moi ça là. Partisan Bretter lourd, ah bah super. Sur quoi il charge lui? J'en sais rien. Allez, là, vous tirez combien? Vous tirez une flèche à la seconde, à la minute, ou ça se passe comment? Ah, ça m'énerve ces batailles, ça m'énerve quand ils font rien. Ça me casse les bonbons, pour parler poliment, quand ils bougent pas leur fion. Allez, tire, bordel. Ah ouais, ma cavalerie, du coup, elle se prend masse tir, putain. Ça va, les traits, là? Vous en avez combien? Vous en avez 20 000? Ça commence à me casser les bonbons, pour parler très très poliment. Là, ça sert à rien, je les charge, ils sont lourds. Allez, bougez-vous le fiac! M'y tire pas! Mais il faut rien! Ils veulent pas tirer! Je peux pas tirer à leur place! Purée, ça me casse les bonbons! Je peux pas tirer à votre place! Je vais pas prendre 5 milliards d'arcs, moi! Putain, ils commencent à me casser les bonbons.
Ah bah oui, je me prends tous les tirs aussi, hein. Ah puis je me prends bien les tirs alliés, hein. Ah, tir ennemi, tir allié, les deux, hein, c'est... Non, oui, c'est bon les gars, j'ai l'impression d'avoir affaire à des archers avec des pilums, quoi, c'est génial. Des archers à pilums, quoi, c'est trop bien. Mais n'importe quoi cette bataille. Mais regardez-moi ça, ils ont munitions infinies aussi. Bah là 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 là. Oh, ça me casse les... Pardon. Bon, je suis très salé, hein, je suis très salé aujourd'hui. Perdre une bataille comme ça débilement, pourquoi? Parce que les archers qui n'ont rien fait, mais littéralement rien fait. Les balistes ont fait plus de dégâts que les archers. Ça n'a aucun sens. Aucun. Les lanciers, tu te demandes avec quoi ils se font, c'est des lanciers lourds, je sais pas, ils portent peut-être des pierres. Là, à part porter des gros cailloux dans des sacs, je sais pas ce qu'ils ont porté, mais c'est sûrement pas des armures. Ni des armes. Hein, armes ou armures, je sais pas ce qu'ils portent, mais c'est aucun des deux. Je sais pas, peut-être qu'ils portent des balistes, je sais pas. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ça me désespère, ça me désespère ce qui vient de se passer là, c'est n'importe quoi. Putain. Putain, on dirait des flamants roses avec une patte cassée. Qui essayent de tenir des armes, qui essayent de se battre, je sais pas là. Flamants roses avec des pattes cassées qui courent le 100 mètres, bah ouais c'est ça, c'est exactement ça ce qu'ils ont fait mon armée, ils sont en mode bah non, fais rien. On a des flèches mais on les tire pas, on a des armes mais on les utilise pas. On se laisse pourrir en fait, mais c'est ça, ils se sont dit bon on se laisse pourrir, c'est plus drôle. Aucun sens, non, dégage toi. Mais il s'est fait prendre sa capitale en plus. Ils sont forcément venus de par la mer et ils se sont fait prendre leur capitale, n'importe quoi. Ah bah il a bien fait de crever l'autre, hein. Une merde comme ça, j'en veux pas. Je veux pas en entendre parler. Voilà. Meurs, j'espère que t'as bien souffert en même temps. Voilà, ton remplaçant. Ton remplaçant, il est efficace. Contrairement à toi. Voilà. Et va voir ailleurs si j'y suis, toi. N'importe quoi. Bon. Une morale ici, est-ce que je peux prendre? Non, c'est trop loin. Il y a une route, hein, mais on la voit pas la route. Donc, ouais, la route elle passe dans la forêt, donc... Bref. 402. Ça on a rang 2, ok. Ouais. On va faire ça. On s'avance tranquillement, on fait une petite embuscade. Ok. On va faire ça. Passera plutôt bien. Ah, ils se sont fait prendre par pompe quoi. Non mais la honte. Comment ça, je peux pas les attaquer ici en plus? Oh, il a perdu deux villes. Bah, super. Je me suis pas encore allié avec les bronzes. Ah, ça c'est bien, ça va les entraîner un peu plus. Ici pareil, hein, je suppose. Bingo. J'en ai pas trop. Ok. Alors, on va faire tomber les Boyens là. On va faire un trou dans leur territoire, je veux pas savoir. Printemps, agriculture. Allez, c'est le moment là, c'est ton moment de gloire. Par contre, il a traversé du long, lui. La vache. Allez, avance et reprends leur capitale, toi. Résolution auto, voilà.
On rase encore un coup, je pense qu'il a dû reconstruire. Au cas où. Hein. On s'avance, on s'avance, on n'hésite pas. Il y a quoi là? T'es qui? Un rebelle chirusque. Faut pas nous embêter. Voilà. On enchaîne. On rase. Voilà. Tu vas aller à la région. Rougion, pardon. Ok. Ça, ça devrait suffire pour l'instant. Ils viennent de prendre la ville. Ah. Ils ont gagné un niveau. Ouais, plus personne ici. Hein. Hop, allez, direction Belz. Toi, direction Montréjus. Ouais, je pense que tu peux te déplacer de manière accélérée au moins pour ce tour-là. Ok. J'ai pas d'argent là, vraiment. Tu. Oula. On va éviter. Faire ça. On va faire. Un deuxième champ. Un petit peu de malheur ici, mais c'est pas très grave. Allez, vraiment un peu de nourriture ce tour. On les fait mourir de faim, c'est ce qu'il faut. Voilà! On tape bien sur les boyens. C'est ce qu'il nous faut. On veut pas plus pour l'instant. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'avec mes troupes qui sont à l'est, enfin au sud-est, j'irai pas embêter Ponte directement au sud. Comme ça, ça pourrait donner. Ça pourrait un peu alléger le labeur de mes alliés. Le seul problème, c'est si. Les autres voisins me déclarent la guerre. Hein? Colonie assiégée? Où ça? Qu'est-ce sur Guise? Pas de problème. Écoute, j'ai une armée qui est pas très très loin. Zéro tour? Putain, n'importe quoi. Ah putain, il va me manquer de la portée. Ça, c'est moche. Oh, ça c'est moche. 15, est-ce que j'ai de quoi recruter assez ici? Totalement. Allez. Et au cas où. Allez hop, victoire. On rase. Toujours même principe. Voilà. Tout ça je dissous. Ouf, ça fait du bien. Tac tac, moi juste. Deux tours j'y suis. Et donc ce que je disais, je vais aller attaquer. Sinopé. En plus ça fait partie de Bithynia et Pontus, donc tout ça. Je vais aller me les prendre. Ça va être pas mal. Ah ouais, mais ils sont dans la mouise là. Purée, il y a une armée complète en plus ici. C'est pas vrai, mais ils servent à rien. Hein. Bon. On va relever une armée ici. Hein. Ah, j'ai encore des. Sérieusement là, j'ai plus de. Qui es-tu toi? Oh la vache. J'ai oublié de vous marier encore. Oh là 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 là. T'as quel âge? T'as 28, toi t'as 29. Allez, marie-toi. Marie-toi. Voilà. Ok, rétablir l'héritage, les héros de la mort.
faire quelques unités de lanciers lourds, toi, hein, parce que là, je le sens mal là-bas. Ils ont que Tanaïs, quoi. Oh. Attends. Les colchides qui sont là-bas. Ah, je dis toutes ces mercenaires là. Je vais envoyer en renfort là-bas le... cette unité. Allez, on fabrique. Ici j'ai pas d'argent. Donc bah pas d'argent, pas de reconstitution, tout simplement. C'est vrai qu'il y a à l'abus aussi, à l'abus. Bon bah je vais les emmener, je vais carrément l'emmener à l'abus, puis comme ça, j'aurai pas besoin de le bouger jusqu'à la fin, je pense. Ok, un peu plus de revenus, ça c'est bien. Voilà. Les pontes, ça bouge au niveau des pontes. Sauvez-vous ! La route droit devant est bloquée. Ah ouais. Mordigne, ça c'est pas vrai. Et il va tous me les tuer, lui. Oh, je vais le fumer, lui. Je vais le fumer. Ah oui, c'est... qui était dans le siège, j'aurais dû changer de général et prendre un général dont j'en aurais rien à foutre. C'est pas grave. Ah bah non, c'était même pas, c'était les fureurs de Boéfide compris. Ok. Bon. T'es sûr de vouloir reprendre cette ville? Bah y a pas de problème, mais je peux te dire que tu vas la perdre très très vite. Quand tu veux, hein. Toi aussi. Ah d'accord, c'est lui qui s'est fait tuer, et puis c'est pas vrai. C'est fou ça. Putain, c'est un éclaireur rank 5 qui me le tue. Non bah c'est top. Faut arrêter la connerie aussi au bout d'un moment. Allez hop, chut. Voilà, toi, dissous. Ah bah oui, en plus c'était ma jeune quoi qu'elle ferait, putain. T'as 21 ans. Je peux pas l'adopter, et bah merde. Super. Continuons du coup, on va continuer. Si ici il fallait que... Ah putain. Allez, dès que j'ai l'argent, c'est les bas quartiers. Ça c'est indéniablement chiant, mais bon c'est comme ça. Voilà. Direction Rougon. Là au niveau honneur public ça va pas le faire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais y envoyer cette armée là-bas. Et je vais dire Grouto d'aller à Ubersis. Oui ça passe par chez Massilia, c'est pas grave. Ça passe pas. Ah, sérieusement. Là je suppose que ça passe pas non plus. Bon. Une flotte qui me sert à rien. Voilà, elle est dissoute, ça fera plus de revenus. Allez, direction Sinope, plus vite que ça. Oh, ils sont lents. Comment ça? Ah ouais bah oui, les Galates qui m'ont déclaré la guerre quoi, c'est... Ça je l'ai pas vu encore hein. C'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Bergame? Non. Ça c'est pas bon. Il y a combien d'armées? Ah ouais, bah ouais du coup c'est tout sur ma gueule, bon bah ça c'est normal hein, comme d'hab. Hein. Vous êtes pas en guerre, genre contre quelqu'un d'autre? Vous voulez pas aller embêter quelqu'un d'autre, quoi, les gars, non?
Non, vous avez rien à foutre, oui, c'est moi, c'est ma gueule, j'ai compris. C'est pour ma gueule. Il y a la Ptina. Il y a la Ptina, là, ça va être chaud. Ça va pas être facile. On va lever une armée ici au cas où. Ah. Et de nouveau, j'ai plus d'unité. Allez, marie-toi. Le plus rapidement possible en finir avec ces boyens. Ok, on va les laisser un tour ou deux histoire de être sûr que ça soit pas trop compliqué niveau ordre public. Cet espion il arrive le tour prochain. On va très vite finir ce front. On va laisser une ou deux armées là au niveau de l'ouest, nord-ouest. Et je vais envoyer tout le reste sur le front est. Je pensais avoir recruté des gens ici, c'est. D'accord, pourquoi pas. Je pensais avoir ouais des troupes. Bon. Apparemment non. On va essayer de jouer au mieux avec les. Je sais même pas si j'en ai. Bah non, j'ai même pas d'artillerie, putain. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué là. J'étais persuadé d'avoir d'artillerie, mais non. Pas encore. J'ai pas eu le temps de. J'ai pas eu le temps ni l'argent hein, de développer assez. Le village, bon. Bon, c'est une défaite, on va essayer de leur faire de la perte. Surtout ça là qui va importer. Plus ils auront de pertes, moins j'aurai de difficultés à reprendre la ville. Hop, là je vais mettre mon général ici. Et le reste, bon courage les gars. Ah oui, c'est vrai que j'ai des pilleurs d'assaut là. On va très très vite aller faire venir. Grouillez-vous les gars. Il y a un petit truc ici, je sais pas ce que c'est. Ouais, sympa le quartier là. Il y a quelques crochets, du coup ils savent pas monter là, tu vois. Allez, 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 allez. Apparemment, il va plus falloir les mettre comme ça. Ouais. Ah, on a tribu moyenne, quoi. Allez, allez. Ah, contre les légionnaires. Ah ouais, mais les légionnaires Galates, oui, monsieur. Là c'est mal barré, hein. Moi je vous le dis les gars, c'est mal barré. Hein. Hop, allez, mettez-vous là-bas. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils font là, eux? Mais peut-être que quoi? Mais à quel point ils sont... Voilà, ils se prennent beaucoup trop de tirs. Hein. Ok, par contre les... Les tirs enflammés qui font absolument aucun dégât. Là, c'est violent. À quel point ça ne sert à rien. Mettez-vous là-bas.
Allez, bougez! Arrêtez d'attendre que je vous répète 50 fois la même chose, ça commence à devenir chiant. D'accord, donc c'est là ou là? Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas? Non mais oui, puis c'est là, mais là, là on le fait pas quoi, là on se déplace pas quoi. C'est ça, c'est si on va là-bas, ben on se déplace pas. Non mais c'est cool. Bon là c'est compliqué, quoi, pourquoi je perds le point là? Il y a 2 unités et demie, c'est ça, oui. C'est ça. Allez, on fait des dégâts, s'il vous plaît, messieurs. Ah ouais, non, mais ils étaient encore en train d'y aller parce qu'ils étaient, je sais pas, ils faisaient quelque chose. Ils devaient être en train de pisser, là, il y a un arbre, ils devaient être en train de pisser sur l'arbre, tous. Allez. Allez, on fait feu, messieurs. Allez. Non, vous en foutez. Oui, vous en foutez, je vois ça. Allez, allez, faites rechargement rapide parce que vous êtes en train de vous faire défoncer, là, je le vois. Ça par contre ça craint là, ça va voir que j'aille les aider là. Ouais. Tendu là, waouh, super les gars là. Allez, attaquez-les par les deux côtés là, c'est ça qu'il faut. Pareil ici là, le corps à corps, hein, quitte à rien faire, tant qu'à rien faire. Pourquoi je peux pas le prendre lui là? Là je clique dessus, putain! Pardon, excusez-moi pour cette manière de parler, je déteste quand ça déconne. Encore plus ce soir où je suis énervé. Allez là. Ah, mon général, il va devoir tenir un autre rond, ça c'est pas cool. Ah, il a empêché de monter plus, eux, là. Ah, une unité contre 4, ça gagne, c'est fort. Ici, une contre 3, ça gagne. Ici, ça fait 20 ans qu'ils sont en train de tenir. Non, c'est cool. Bon, de toute façon, le seul objectif, c'est leur faire un peu de perte pour quand je voudrais reprendre la ville, ça soit moins compliqué. C'est tout. Pas plus, on va pas chercher plus loin. Regardez, l'ancien Galate contre mon général, genre mon général galère. C'est fou, hein, il a plus de pertes. Il en a tué un. Lancé Galate en a tué 4-3. C'est mon général qui a moins de dégâts que des lanciers Galate, hein, quand même. C'est un bon général. Hein. Allez. On lui a fait un peu de perte au moins. 300. Waouh, 10%. Waouh. C'est beaucoup. Non, pas du tout. C'est pourri, c'est de la merde. Hein, on peut voir les pertes, voilà, 7. Nice, ouais, bien joué. Oh, vous êtes fort, oh, vous êtes très très fort. Bravo à vous. Vraiment des unités pourries. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Ils sortent? Très bien, allez. Je les tue. Je peux pas en entendre parler.
Bah non. C'est pas le moment, hein. Je crois que tu as pas très bien compris. Nerf vient, ok, armé détruite, on s'en fout. Allez là, ça tombe là. Ah putain, je perds de la cavalerie là-dessus quoi. D'où la cavalerie, monte sur des murs, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Oh, toi dégage. Non mais sérieux! Putain, il m'a pris une unité. Mais ça me casse le... Dégage. Toi dégage. J'en ai rien à foutre que je sois chez Pergamon. Rien à foutre, de toute façon ils vont me déclarer la guerre donc... Rien à foutre. Yes, super. Non, ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Et vu que ça m'a cassé... Hein? Ça je m'en fous. On va faire une armée ici, voilà. Mais il y a quoi là? Ok. Allez, je prends la route. Voilà, on va faire tomber ce truc là. Allez, dégage ça. Les rebelles là, de vous dégager, je veux pas savoir. Oh, putain. Résolution haut, on pille. Voilà, heureusement que j'en ai quelques-uns qui font le taf quand même. Hein. Sinon, ça se passerait très très mal. Ouais. Ouais. Ouais, doucement quand même. Ok. Toi tu vas aller là-bas. Non, on va recruter les mercenaires ce tour-là, ça sert à rien, ça va juste me faire perdre d'argent. Ok. Ah ouais, je vais vous appeler ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a en mer? J'ai bien fait de regarder, regardez Athènes. Recruter. Ouf, putain, le prix toi de l'entretien. Prendre vraiment les unités pas chères là qui font. Ouais, tout coûte cher. Voilà, ça devrait passer en défense là. Comme j'avais prévu, Iraptina va se faire attaquer également. Donc je vais monter, je vais rétablir encore un autre héritage. Je ne peux pas. Je monterai une armée en urgence le tour prochain, c'est pas grave. Et là, à ce niveau-là, c'est... Ouais. Allez. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté mon sel, hein, tout simplement, on peut dire ça. Hein. voilà, assez énervé ce soir. Aujourd'hui surtout, ce matin, du coup, normalement. Enfin, ça dépend à l'heure que vous voyez. Ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous propose de me retrouver demain pour le prochain épisode. Allez, c'était Thiob. Ciao!